Aujourd'hui, je vous présente un tour de petits paquets à l'aide de 4 sets, 2 noirs et 2 rouges. Un petit mouvement sur le paquet et aussitôt, un set vient de se retourner. Vous ne me croyez pas? Et pourtant, si j'étale, un set vient de se retourner. Ici, en l'occurrence, le 7 de carreau. Allez, petit mouvement, et cette fois-ci, je vais même l'annoncer, le 7 de trèfle. 7 de trèfle. Et voilà. On continue? Allez, 7 de cœur. Allez, on est fou. 7 de cœur. Et enfin, pour terminer, le 7 de pique. Dur à croire, mais pourtant, c'est vrai. Le 7 de pique. C'était pas mal, non? Vous voulez qu'on aille plus loin? Très bien. Vous vous rappelez de la couleur des cartes? C'était quoi? Les deux ou quoi? Rouge? Vous êtes sûr? Plutôt bleu, je dirais, non? Bleu, non? Allez, comme je vous aime bien, je vais vous dire une chose. D'après vous, il y avait quoi? Des cartes noires, des cartes rouges, des cartes rouges aussi? Non, que des cartes noires. Et vous savez quoi? Eh bien, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Tout simplement, j'ai utilisé un marquage. Non pas sur les faces, mais plutôt sur les dos. Vous voyez la croix là? Eh bien, sur chaque dos, il y a une croix. Comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire l'effet. Voilà, j'espère que le tour vous a plu et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel effet. Allez, bye bye les amis, au revoir!